baisser, hein? Pas pire. Pourriez-vous me baisser le volume du dépens? Et moi, 10-4. Dépens diminué. Oh non! Pas encore lui avec sa dose. Attention, alerte blanche. Alerte blanche. Paris pour une gyroscopie du coup? Oui, on va parler. Attention, ça va donner un petit coup. OK, substance repoussée. Attention, alerte blonde. Oh, c'est pas notre département, ça. Hey. Ouais, ben moi, je change le département. Mais moi, c'était bon. Et maintenant, un message de votre dragon préféré. J'ai déjà beaucoup fumé, vous savez, mais un jour, j'ai décidé, fini les cigarettes. Maintenant, il ne fume plus. Nous vivons tous sans fumer. Vivre sans fumer, moi, j'aime ça. Moi aussi. Moi aussi. L'air pur et propre. Vous pouvez en croire un dragon. Vivre sans fumer, c'est la vraie liberté. Yo, 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 yo. Identifier les normes et les règlements techniques dont nous avons besoin n'est jamais chose facile. Bonjour, service d'information. C'est pourquoi le monde des affaires et l'industrie se fie au service d'information du Conseil canadien des normes pour trouver réponse à leurs questions. On y accède sans frais de partout au Canada en composant le 1-800-267-8220. J'ai votre réponse. Atteint de sclérose en plaques. Sachez qu'il existe une présence rassurante pour vous aider à mieux vivre avec la maladie. La Société canadienne de la sclérose en plaques, section Abitibi, service aux patients, se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous informer sur vos droits, ceci du lundi au vendredi. Pour nous rejoindre, composez le 825-7915. Notez que vos dons doivent être acheminés à l'adresse suivante, Société canadienne de la sclérose en plaques, casier postal 1721 Val-d'Or.